Salut à tous, c'est Lynn, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour la customisation de la toute nouvelle voiture qui est sortie ce matin. Obey 10F, c'est une Audi, elle est incroyable, elle est vraiment trop belle, je la kiffe. Voilà, je le dis, je la kiffe, je l'attendais depuis longtemps parce que je l'avais déjà vue avant. Je l'attendais et la sorte seulement là, ça fait quand même longtemps qu'on a eu le DLC. Et honnêtement elle est belle, voilà, elle est magnifique, de chez magnifique. Et on est parti pour voir à quoi elle ressemble. Donc voilà, c'est la 10F qui est du coup disponible dans Legendary Motorsport. Et regardez-moi ça. Oh là 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 là, elle est trop trop belle. Elle est incroyable. 1 675 000, donc je l'ai pris en rouge. Alors personnalisation possible chez Beniz. Apparemment on peut la custom chez Beniz, je pense pas. On va aller tester si on peut la custom chez Beniz, mais à mon avis je ne pense pas. En tout cas, si on peut pas, bah, on ira à la Beniz, on ira à la custom bénisement et normalement. Voilà, j'ai envie de dire. Parce que là, tu vois, Beniz, non, parce que en vrai, si tu pouvais la custom chez Beniz, elle serait dans le truc des Beniz, tu vois. Et là, en l'occurrence, le truc ne peut pas être modifié ici. Ah bah voilà. Bon bah, je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans le, je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans le titre. Bah, ils ont mis ça en description. Les gars, ils ont mis comme peut la custom chez Beniz, alors qu'on peut pas la custom chez Beniz en fait. Je trouve ça un peu. Bon, déjà en termes de vitesse. Elle est plutôt pas mal, j'aime bien. Alors il faut savoir que c'est pas une super sportive hein, les gars, c'est une sportive, la Obey 10F. Bon, pour le coup c'est vrai qu'elle fait quand même un peu plus super sportive que sportive en termes de design et tout. Mais honnêtement qu'est-ce qu'elle est belle. D'ailleurs dans les commentaires je pense que vous reconnaissez un peu dans la vraie vie à quoi c'est ressemble cette voiture les gars. Je pense que vous la connaissez les gars, vous la connaissez. Je vous laisse deviner dans les commentaires c'est laquelle voiture dans la vraie vie. Et je pense qu'on va être parti pour la customisation les gars. Let's go hein. Waouh, c'est une beauté. Elle est de toute beauté. Elle est de toute beauté là. Obey 10F. Oh, je kiffe les côtés. C'est trop. Alors blindage à fond. Frein up. Pare-choc. Alors pare-choc. Ah, j'aime bien ce petit côté. Ce petit côté rouge comme ça. Bon, c'est brut, je suis pas très fan non plus du brut. Je pense plus à un truc. Après, carbone, c'est beau aussi. Ah, j'aime bien comme ça. Pare-choc, alors. C'est pare-choc arrière du coup. Waouh. Ah, oui, ça change. Hein. Tu vois, là, je pense plus carbone que du brut. En vrai. Après chacun son délire. Alors on va mettre brut parce que t'as vu c'est nouveau. On met brut. Moteur niveau 4, échappement. On a plusieurs échappements. Échappement en 8. Ok. Et il y a pas mal d'échappements. Oh, j'aime bien ceux-là, comme ça, ils sont beaux. Hein. Très beau, j'aime bien. Ce petit côté blanc comme ça, ça fait un peu ressortir le véhicule. Explosif, non. Calandre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des petites aérations avec bah ouais, des petites aérations après des petites moussages sur le déco. Oh, j'aime beaucoup cela. Ah, j'aime bien, franchement. Tu vois, ça change hein, quand même. Hein. Capot brut. Ah ouais, non, capot brut, c'est un peu trop, je pense. Course de rallye, waouh, comme ça c'est beau. Ah oui, j'aime bien. Alors peut-être pas comme ça, mais comme ça, genre en couleur normale, c'est assez sympathique. En brut, je trouve ça un peu dégueulasse, ça fait une ligne, genre, tu vois, ça ressort pas. Peut-être en carbone alors. Ouais, je vais mettre en carbone. Qu'est-ce qu'on fout ? Éclairage par Zénon, kit néon, support néon, avant néon, couleur néon, hop, on va mettre rouge, voilà. Motif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme motif sur ce véhicule? Alors moi, je ferais plus partie sur un motif un peu discret, genre du style comme ça, j'aime bien. Non, non, j'aime pas. En fait, je vais la laisser en rouge, donc... Non, le petit côté noir, ça le fait pas trop. Petit côté blanc comme ça. Même comme ça. En tout cas, je vais mettre comme ça, finition rouge. Rétroviseur. Ouais, mettre... Bon, et brut, c'est pas mal. Hein. J'aime beaucoup. Peinture. Il y a pas mal de trucs à custom quand même dessus. Hein.
Alors, en termes de peinture, alors on va du métallisé et je vais partir sur un petit rouge. Alors, comment je peux la mettre? J'aimerais bien un petit rouge bien rougé. Ta rouge fraise, il est beau aussi. Je pense à un petit rouge Formule 1 en vrai. Ouais, rouge Formule 1. Alors par contre, je pense qu'en termes de... Bon, ben, ça pareil. Rouge Formule 1. Et en finition, on va partir sur un intérieur un peu blanc, je pense. Ouais, blanc, j'aime bien. Et du coup, il n'y a pas de... Ok, bon, c'est pas mal. Alors toi, on a des petites ailettes comme ça. Ah, j'aime bien. Mais je pense que je vais partir en brut. On va rester sur du brut. Bah le toit, je pense qu'on va mettre du normal, hein. Ouais, comme ça. Oh, par contre, c'est abusé comment le truc, le véhicule a changé entre-temps. Panneau de série. On va mettre normal, série. Bas de caisse. Alors ça, c'est important. Ça, c'est important. Ouais, on va mettre ça. Par contre, j'aime beaucoup, hein, franchement. Je sais pas ce que vous pensez de la customisation, les gars, mais il est très très beau ce véhicule. Non. En aileron, faut pas. Ouh, pas mal le petit aileron là. Oh, beau. Sympathique, quoi, ça. J'aime bien. En carbone, j'aime bien. Aileron, on s'en fout. Suspension. Compétition. Transmission. Course. Après, les suspensions, je pense qu'il faut pas mettre. Compétition, je pense qu'il faut mettre. Un peu sportif, tu vois. Parce que compétition, ça le fait pas trop. Parce qu'après on a des problèmes dans les parcours et tout. Les roues, je vais pas changer. Je vais mettre le plein épreuve des balles. Une petite fumée rouge. Je pense qu'on est pas trop mal. Vite limousine. Et voilà. Et bah les gars, en termes de customisation, j'ai fini. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Je la trouve trop, trop, trop belle. Elle est incroyable. Regardez-moi derrière, les gars. Waouh. Attendez, hop, on va laisser passer le véhicule. On va aller là. Regardez-moi ce putain de derrière de véhicule, comment il est beau. Regardez-moi derrière. Je surkiffe le derrière de mon véhicule. C'est abusé. Il est vraiment, vraiment trop beau. Je vais mettre un peu de lumière pour vous voir un peu mieux, mais honnêtement, regardez-moi ça. Il est énervé de chez énervé. Alors pour moi, c'est un des plus beaux, franchement. J'aime beaucoup Audi et là pour le coup c'est vraiment l'un des plus beaux véhicules que j'ai pu custom. En fait ce que j'aime bien c'est ce petit côté brut, tu vois genre vraiment qui fait vraiment vraiment brut et t'as ce petit côté tu vois genre discret carbone et tout mélangé avec du rouge, tu vois regarde là t'as le moteur voyant en rouge et tout et honnêtement ça donne quelque chose de plutôt sympathique. J'aime beaucoup, voilà je vous le dis j'aime beaucoup. Voilà, en tout cas, c'était la customisation pardon, la Obeid 10F. Elle se trouve juste ici à 1 675 000. J'espère qu'elle vous a plu. On va quand même tester un peu la vitesse du véhicule, la tenue de route pour voir ce que ça donne. Mais déjà, en termes de beauté, elle est incroyable. Alors, on est parti pour tester la vitesse. Waouh! Alors, en termes de tenue de route, ça m'a l'air d'être plutôt correct. Mais l'air d'être plutôt rapide hein, quand même. Ouais, il est rapide quand même ce véhicule. Il tourne bien, il a une bonne tenue de route. Il tient bien la route, il bégaye pas quand il tourne. Ouais, vraiment abusé. C'est trop. Ouais, c'est abusé. Honnêtement, c'est abusé. Franchement, il tourne trop bien. Il a une bonne tenue de route. Ah, ouais. Non, mais il est magnifique. Il est magnifique, franchement. Achetez-le, voilà, je vous le dis, achetez-le, il est trop beau, voilà, achetez-le, incroyable, incroyable, incroyable.